l'objectif de la prise de contact, c'est déjà de le faire parler. Et plus il parle, mieux c'est. Plus vous parlez, moins c'est bon. Charismatique, c'est le premier mot qui me viendrait. Impactant et inspiré. C'est un plus, c'est pas quelque chose qui vient en dessous. Ça m'a vraiment touché parce que j'ai vraiment compris beaucoup de choses. C'est pas la peine de vouloir lui en rajouter, puisque de toute façon là ça va l'énerver. Et ça peut être le style de client qui va tout balancer là et qui va rater sans rien. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs, tout à fait. Donc là vous avez vraiment un plus. Et ensuite pour la protéine, on part sur de la volaille parce que c'est pareil, c'est beaucoup plus digeste. Il y a du dynamisme, il y a plein de renseignements, c'est génial. Je te dis, tiens, on va aller au cinéma, ça te permettra de t'oxygéner, ça te permettra de te changer par rapport à ton boulot de cette semaine. C'est toujours mieux que de dire j'ai envie d'aller au cinéma. Sympathique, le côté drôle, on a envie de l'écouter, on a envie d'en savoir plus, on apprend plein de choses, plein de petites astuces. Un enfant cherche à savoir, alors que le vendeur pense tout savoir. C'est un vrai partage en temps réel. Souvent de façon humoristique, il nous faisait comprendre en fait des situations de vente et il le faisait avec brio tout simplement. J'ai commencé avec Cicéron, je vais terminer avec cette phrase de Pagnol. Tout homme arrive à parler de ce qui lui est propre, il y a les raseurs qui parlent d'eux. Les bavards qui vous parlent des autres et les intelligents qui vous parlent de vous. Je vous ai dit qu'il fallait des perroquets, il fallait être intelligent. Des perroquets, ça c'est tout ce qui est un bonheur. J'ai aimé ce Jean-Pascal, c'est son expérience, je sens les exemples vécus. Et ça, ça me fait plaisir. Cette étape clé, facile à retenir. Et du concret, du côté pragmatique. On a qu'il est mince à vous, mon mari. Nous y avons été.